mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Nous sommes arrivés, où ça? À Rome, en Italie. Regardez comme elle est belle. En fait, on est en plein débat. Oui. Attends, on peut faire... Vas-y. Que je vois ce que je raconte. On est en plein débat. En fait, les plats de pâtes ont l'air tous incroyables. Et on est en train de se dire que... j'en ai marre de choisir un plat de pâtes et de ne pas pouvoir tester tout. Et je parle de choisir, parce que choisir, c'est renoncer. Oui. Et j'ai pas envie de ça. Peux-tu citer la personne qui... Raphaël Quemard l'a dit, je veux dire c'est renoncer. Mais d'autres personnes l'avaient dit avant lui. Mais voilà. Pâtes à la truffe, des raviolis burrata, une parmigiana, des lasagnes. Bravo mon bel terre. Merci mes. On commence la journée par un très bon restaurant que Gabriel a choisi, évidemment. Et cet après-midi, on va faire des choses que Gabriel a choisi aussi. Vous aurez compris que Gabriel, elle a le don de choisir des bels endroits. N'oublions pas ça. Ça, c'est sûr. Sur un petit restaurant, écoutez, version sans gluten. On a de la chance aujourd'hui. On a de la chance. Ça va être trop bon, je sais. C'est magnifique. C'est vraiment un très bel endroit. Si vous voulez l'adresse, je vous la mettrai. The girl them skiller, cheat. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to. Mais tu manges. On n'a même pas commencé. Non. On est dans un endroit où il y a énormément de monde, je sais pas trop pourquoi. On peut mettre les pieds dans l'eau. On peut mettre les pieds dans l'eau. Écoutez, somme toute, une place très banale, mais ça attire bon nombre de personnes. Je sais pas trop pourquoi. Je m'interroge encore. Hein. Il y a effectivement une fontaine, mais bon, je vais vous la montrer, peut-être que ça vous dit quelque chose. Ouais. Enfin bon, apparemment c'est très connu ici. Qu'on y jette une pièce. And just like that. Ouais. C'est connu apparemment. Regardez. Et voilà le travail. Attends. Céline va nous dire exactement où nous sommes parce que j'ai un peu perdu le fil. Aujourd'hui, on fait tellement de choses. On est à la Villa Doria Pamphili. D'accord. Qui est un magnifique spa. C'est. C'est pas mal. Fait beau, les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent et il n'y a pas grand monde. Céline, je peux prendre un appareil photo ? Tout simplement parce que c'est fermé. Mais on avait tellement de choses à faire. On a fait quoi avant ? On est allé faire la galerie d'Andrea Pamphili, qui n'est pas du tout au même endroit. Mais j'ai pas filmé là-bas. On a fait énormément de choses, on galope. Je rappelle quand même que Gabrielle a toujours sa jambe cassée, mais qu'elle refuse d'aller faire une radio. Et que du coup, elle se traîne avec la jambe cassée. C'est marrant, hein ? Les mouches piquent, j'ai l'impression. La Villa Pamphili. Doria Pamphili, qui nous ouvre ses portes. Et vous ne rêvez pas, j'ai les clés. D'une pièce qui va vous couper le souffle. Alors, venez avec moi et bienvenue dans Secret d'Histoire. C'est comme ça qu'on fait les stories. C'est comme ça, alors... Moi, je nourris mes 800 abonnés sur Instagram, quand même. N'oubliez pas d'aller follow Gabriel, de son nom Cohen Gabriel, sur Instagram. Je vais vous mettre le petit arrobas juste en dessous, histoire de... Alors oui, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est de la qualité ce qu'on propose. Gabriel fait des stories plus apprêtées que moi. Oh. Et juste ici,
Un petit géranium. Un petit géranium. Souris, souris à la vie. Au top, comment ça va? Ça va et toi? Allez, viens, on va bon. On va banc. Alors, Céline, tu peux nous expliquer ce que c'est on va banc? On va banc, on trouve un banc. Il y a une banc, il y a une ref. Il n'y a pas de ref. Il n'y a pas de ref. Si, on va, si. Non, non, c'est juste... Ça sort pas de nulle part. On va marcher, ça sort de cet été. On va... Oui, mais cet été, mais on prend... On va plage, on va banc. Mais il y a quelque chose... C'est-à-dire qu'on trouve un banc et on s'assoit dessus. Oui, voilà. Et c'est juste qu'on attend que la vie passe sur un banc. À la fontaine, par exemple. Eh bien, sachez... Il n'y a pas tant de monde. Je vous tiens au jus un petit peu de ma situation. Du coup, ça va très bien. Voilà, j'ai effectué ce qu'on appelle un perfect ce matin. La chose qui ne m'était pas arrivée depuis au moins 6 mois, c'est quand vous n'avez pas de chiasse, que c'est bien moulé et que tout va bien. J'ai mangé des pâtes. J'ai mangé encore des pâtes. Tu bans ? Ouais. Et tout va très bien. Comme de par hasard, tout va bien. Voilà, à méditer. Peut-être que la semaine prochaine, je vous dirai « J'ai mal au ventre !» Je n'espère pas. Mais en tout cas, oh, il y a des trous. Je vais vous faire un peu d'apaisement. Mais, voilà. C'est de la ASMR de fontaine. Non, attends, là, on ne prend pas assez bien. On est encore... Et tu me donnes ça? Qu'est-ce que j'en fais? Ah, pardon. Attends. On dirait qu'on va partir. Avec la vue derrière, attendez, là c'est un beau banc. Hein. C'est pas un banc, ça c'est un banc qui se respecte. Lui c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un écœur de gonzesse, mais... À l'intérieur. Et donc tu as toutes sortes de cafés italiens, oui. Le Chakirato, alors il y a le café tiramisu. Wow. Moi je veux un grand cappuccino. Moi je veux avec de la chantilly. Alors j'ai l'impression que l'assas, le pingouin. Le pingouin il a l'air bien. On est aussi le monacella, hot chocolate and whipped cream. Je pense que je vais manger un truc sucré. Oui. Et enchaîner tout de suite sur le truc salé. Bravo. Un cappuccino ice latte con la panna. Ah, grazie mille. Ecco, 3 bicchieri d'acqua per tutti. Grazie mille. Merci. Et nous voilà. On a acheté des souplis. Les souplis, c'est quoi la différence entre les souplis et les arancini? Alors, les arancini, ça vient de Sicile. Les souplis de Rome. Les arancini sont beaucoup plus gros. Et c'est pas les mêmes choses qu'il y a dedans. J'ai ramené la suite. La suite. Montre. La suite. T'es contente? Trop. Et alors vous serez ravis de savoir que j'enchaîne la deuxième journée, le deuxième perfect ce matin. Je pense qu'en effet ils seront ravis de savoir. Bah, j'ai envie de prendre la plus grosse part de pizza. To do le loup. To do. Là on est en train de faire des achats qui s'avèrent utiles pour prouver notre amour envers Lewis Hamilton et George Russell. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de Mercedes. Enfin, il n'y a pas les suites et les petits. En fait, c'est que chez Ferrari, sauf que je ne peux pas porter du Ferrari alors que je ne suis pas pour Ferrari. Puisqu'on est en Italie. Moi, j'aurais aimé ça. Ils n'ont pas trop de logique. Mais c'est pas ce que je veux. Rouge. Il y a beaucoup trop de Ferrari, alors que nous, on veut juste. Les belles couleurs de Mercedes. Voilà, non, on est chez McLaren. Non, mais ça me tend. Voilà. Et là, c'est quoi? Non, mais il n'y a que de la Ferrari. Désolée, Charles Leclerc. Ça me saoule. Je peux la prendre. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On est vraiment sur un essayage de beaucoup de choses. On est sur un investissement. J'ai besoin un peu de légumes quand même, on va pas se mentir. Je suis trop contente. Vous voulez que je vous montre mes trucs? Petit jus détox. L'eau. Alors,
Voilà, je suis trop contente, j'ai une aubergine et un jus détox. Caro, elle a pris des légumes. Caro soupe AMG Petronas. Là, typiquement, il y a une grosse bagnole. Gros gamos. Et le monsieur laisse les gens prendre des photos avec sa voiture. Voilà. On se demande si c'est pas quelqu'un de très connu, mais on sait pas qui c'est. Voilà, on le connaît pas. Je pense que c'est un footballeur. Ouais. Attends, je vais écrire. On va chercher. Sarà perché ti amo. Et c'est reparti pour un tour. Deuxième édition du Christmas Store, alors qu'on n'est pas du tout à Christmas. Allez, c'est parti. C'est ceux qui avaient suivi les vlogs en Italie, vous savez très bien de quoi je parle. Il est grand temps de racheter des décorations de Noël, alors que c'est pas Noël. Je vous demande d'observer, mais pas forcément de comprendre ce qui se passe. Mais c'est vraiment quelque chose de dingue. Attends, je vous montre. Solde. Moi, 17%. Ah ouais, 28, 17%. Oh là là! Imagine t'es cette personne! C'est trop bien! Genre! Ah oui! Bah, je vous l'ai pas dit! J'ai enfin acheté ma casquette Mercedes! Voilà! Et les vrais de la team! Je dis pas que les autres sont des faux, mais les vrais de la team du canal, vous savez cette passion ou pas? La F1. J'adore la F1. Hop là, voilà. Eh bah oui. Eh bah. Hop hop, messieurs. Allez. Voilà, ça je l'ai fait que pour vous parce que j'ai fait chier tout le monde. J'espère que vous aurez apprécié ce colisée. Voilà. Sachez que je suis pimpée de la tête aux pieds. Le nouveau suite. La casquette. Les casquettes. Premier siècle de notre ère. Oui. La construction. 188 mètres de diamètre. Bombastic side eye. Criminal offense. C'est le dernier matin. Et hier soir, nous avons rencontré le copain de Céline. Et d'autres personnes qui n'étaient pas franchement les bienvenues dans nos vies actuellement. Qui n'étaient pas des rencontres, mais des retrouvailles, voilà. Qui n'étaient franchement pas les bienvenues. Voilà. Des retrouvailles non désirées. Non désirées, mais où... Bien trop inattendu toute la situation. Mais où Gabrielle et Céline ont su rester femmes, ont su rester droites dans leurs idées. Moi, personnellement, j'étais spectatrice. Enfin bon. Je suis trop contente, j'ai plus deux trucs à manger. On disait que c'était... Bref, hier soir, c'était la soirée des possibles. Je vais vous montrer ce qu'on mange. Et sachez qu'il y a des cappuccinos sans lactose. Eh oui. J'ai mangé une petite salade de fruits ce matin, mais je vous raconte. Et hier, j'ai fait caca toute la journée. Voilà. Toute la journée. Donc le cappuccino sans lactose. Un café bien serré pour Céline, comme d'habitude. Hein. Bien serré. Voilà. Et Gabriel. Excellent. Là, il y a un mini sandwich. Gabriel, tu sais qu'il y a du jambon là? Merde, c'est pas à moi. Ah, ok. Ça, c'est un mini sandwich. Okay. Et ça, c'est une mini pizza. C'est très mignon. C'est un cappuccino. Attends, bouge pas, bougez pas, s'il vous plaît. Ça roule là. Alors là, oh mince, c'est une vidéo. Vas-y, gars. En fait, on fait un album photo. On fait un album photo avec que des photos, genre que nos parents pourraient prendre, vous savez, en voyage. J'explique la situation. Tout est gratuit parce que c'est le jour d'ouverture. Sachez que tout est gratuit, voilà. Voilà. Voilà où on en est. Les gâteaux, regarde. Non mais... J'ai envie de croquer dedans. Moi aussi. Mais genre... Non, mais ils sont... Intrusive. Mais ils sont réels ou c'est des fake? Non, c'est des vrais. T'as fait quoi? Barbie Inside. Barbie Inside? Voilà, sachez que tout est gratuit. La sélection. Voici les tartes. Là, il y a des beaux gâteaux base aussi. Base de chocolat. C'est marrant.
On a vraiment deux salles, deux ambiances. Voilà. Ça m'amuse pas trop en vrai. Oh waouh! J'adore le poivre. Je pourrais goûter quand même. Bien sûr. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit, comme dit Léon. Alors, les filles vont faire une imitation de moi, pas discrète. Ah, oh, ils sont juste là. Non, mais je regarde pas, je suis discrète. Ah non, mais ils me voient pas, je te dis, ils me voient pas. Oh, bah, par contre, lui. Ah, oh, bah, ils m'ont vu. Par contre, lui, il te regarde. C'est vraiment ça. Bah, il me voit pas, par contre, lui, il te regarde. Ah, oh, mais moi, ils ont touché l'épaule. Ah, oh, mais il regarde là. Il regarde. Il lui a touché l'épaule, il se retourne, attention. Mais non, je te dis qu'il ne voit pas. Il a 2 mètres. J'ai ma casquette. Il est juste derrière. Il est juste derrière. Et moi, il ne me voit pas. La chatte est mise.